Nous devons, dans cet exercice, résoudre l'équation avec x strictement supérieur à 1, lnx moins lnx à la puissance moins 1 égale 0. Alors, nous allons transformer déjà ici cette expression. Donc ici, je vais écrire lnx. Et ici, lnx à la puissance moins 1, c'est l'inverse de lnx à la puissance plus 1. D'accord? C'est exactement comme quand vous écrivez exponentielle de moins 6. C'est l'inverse de exponentielle de plus 6, est égal à 0. Je vais mettre l'intégralité de l'équation au même dénominateur. Donc ici, le dénominateur, c'est lnx. Donc ici, je vais multiplier par lnx au numérateur et au dénominateur. Et ici, ça va rester 0, puisque 0 fois lnx sur lnx. Je vais pouvoir réécrire l'équation maintenant sans placer les dénominateurs. Donc là, j'ai lnx fois lnx, ça fait lnx au carré, moins 1, est égal à 0. Je reconnais une identité remarquable, étant donné que 1, c'est 1 au carré. A carré moins b carré égale 0, ça fait a plus b. Facteur de a moins b est égal à 0. Je reconnais ici une équation produit nul, un produit de facteurs est nul si l'un des deux facteurs est nul. Donc soit c'est lnx plus 1 qui est égal à 0, c'est-à-dire lnx qui est égal à moins 1. Et si je passe aux exponentielles, exponentielle de lnx égale exponentielle de moins 1, ce qui me donne ici x égale exponentielle de moins 1. Ici, j'ai lnx moins 1 est égal à 0, ce qui fait lnx est égal à plus 1. Je passe aux exponentielles. Exponentielle de lnx est égal à exponentielle de 1. Je barre et j'ai x égale exponentielle de 1. Alors, j'obtiens ici deux solutions. Mais regardez, il y avait une condition très importante dans l'énoncé, il fallait que x soit strictement supérieur à 1. Or, exponentielle de moins 1, d'accord, est bien sûr inférieur à 1. Donc je ne vais pas le considérer comme une solution, mais exponentielle de 1, qui vaut à peu près 2,7, d'accord, il est bien supérieur à 1. Donc l'unique solution de l'équation, c'est x égale exponentielle de 1. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, hein, mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et si vous avez des commentaires, mettez-les-moi, je vais y répondre. À bientôt pour de nouvelles vidéos.